province dans la diaspora, l'éclairage à l'élo, où il est toujours animé par le haut représentant Edouard Kazadi, et c'est qu'à Oyoto, l'imboué la cabine, actualité, mingi actualité politique, plus particulièrement actualité électorale. On a Oyoto Zalibongo na fait une campagne électorale, peut-être que Zalibongo na jour J moins 2 avant vote. Na yango tokosolabino lelo juste trois sujets. Ya liboso ezali ma Italie parcours ya campagne électorale ya candidat na biso candidat du peuple, le candidat numéro 20 Fatshi Beton. Totali sabino campagne na ye eleka ki ndenge nini, alobaki nini, bayambaki ndenge nini et quelle est sa position par rapport à ses concurrents, ses soi-disant concurrents tozobenga mingi opposition ya pete ba peta mouye. Totali Sabino Mama na likambo. Otozali kobenga bongo complot contre la République démocratique du Congo, complot contre l'intérêt du peuple congolais ali bongo fomenté par des officines étrangères en complicité avec certains pseudo congolais et certaines forces vives de notre société, notamment ceux qui se qualifient aussi de religieux. Et enfin, comme ezali dans deux jours ezali jour ya maponomi otoko bongo kopona tata wa moko ya ekolo na biso otoko pesa un deuxième mandat Fatshi Beton to voter ba candidat député nationaux to voter ba candidat provinciaux et to voter ba candidat municipaux to yebisa bino otobenga ka consigne de vote comment ko pesa mokonzi ya mboka deuxième mandat avec une large majorité parlementaire pona ko aider ba accompagné à Sala Moussala Malamou. Na yango to goubye sabino comment ko voter ba député même été, comment ko yeba ki ozali député, ozali candidat même, et puis banani oyo to zobenga mingi, ba dozana ba siège réservé. Totali sabino batouana au cours de cet échange patriotique. To landa ki biso nyonso. Campagne électorale est sali quasiment un mois. Ya biso candidat numéro 20 Fatshi Beton. À la sa campagne elle est 19 na Kinshasa. Et puis a bandi périple azali le seul candidat oyo atamboli na si na toutes les 26 provinces dans chaque ville dans chaque territoire et localité yango to sabino que bosi mbana campagne électorale oyo notre candidat numéro 20 Fatshi Beton a dominé le terrain politique. Donc pembe naye ezakata mutango pour sanata pembe na solo naye te parce que il a été le seul candidat qui a fait toutes les 26 provinces, chaque ville, territoire, localité et voire même des villages. Il est aussi le seul candidat au message naye ezali capté par la population. Aujourd'hui, ceux qui vont organiser sondage totuni na population ya RDC Mobimba ba yamba ki ba candidat. Totuni bango Mokonzi mboka Fatshi Beton, tu retiens quoi de ce message na campagne? Bakoyebisa sabino mokonzi mboka alobaki consolidant les acquis, baki yango ezali boye ba bilan na ya sali par rapport à chaque province et puis par rapport à plan national. Par contre, ceux qui ont tourné même population ana yebisa biso ba candidat mususu wana, qu'est-ce que tu retiens de? Non seulement que certains ont été existants, inexistants plutôt, bah on va confondre qui campagne électorale, loko la campagne ya mangwele, bato ba kantia ki politique eza loko la médecine, ba monani même pas na terrain. Et y a de ces candidats, o bazali vraiment candidats étrangers, pour les étrangers, par les étrangers, ba ngon peut ba se faire noyer na terrain politique, parce que partout ba ke naki population a yamba ki ba ngote, population retenir karake, baza ba étrangers, ba yi ba yi loko ba langue nationale na bisote, baidi géographie na bisote mutazali na Kimpese azali ko baké azali ba toto ya Kimpese ke na kiko ngo central na kozonga na kozonga la na Kimpese comme si il savait pas en fait il savait pas que nani Kimpese za kaka na Congo central ba retenir que candidat wana azali nationalité douteuse azali des origines douteuses ba bela ki komo na na Zambie comme citoyen zambien depuis 2013 azana passeport zambien comme citoyen zambien pourtant Azalaki, gouverneur ya Katanga na kat RDC à cette époque. En retenant encore de lui, Nzambe ya ba levir. Donc, yé, comme population, ça y est, rejeté. Comme un message na mafia, tout ce qu'il faisait, c'était là où il a réuni juste trois personnes, yé, a monté ma image. Peu bima, ba milliers de personnes,
pour tromper la communauté internationale, pour tromper bato ba financer bango pona ko dongola mboka na biso na mina nenga mabe ba ka kaza na bato. Alors er biso population grâce à éveil patriotique to chele miso to laki si comment est-ce que mutuana zali muta ba mpiaka population elingaka yete et akimi à comprendre que l'argent ne répond pas à tout. Au dernier moment de sa campagne électorale, Ami Tché na autoflagellation, c'est-à-dire quoi? A comme mon ko saboté ba descente na ye pona kolobake a comme victime ba attaque pourtant to bemisa ke za pia kanaye na bon na public na poissa et puis to empêcher qu'il y a no ko saboté congolais. Voilà un peu, vous allez comprendre que le chef de l'État a dominé aussi le candidat numéro 20 plutôt, a dominé aussi le terrain parce que il est le candidat qui sait offrir un très grand bain de foule que les autres, qui s'est offert une très grande marée humaine, puisque partout il est passé, le président de la République a été accueilli par toute la population de cette province-là, de cette ville-là, de ce territoire, de cette localité. La campagne électorale a été aussi marquée par un climat démocratique. On a vu que tous les candidats ont eu la même liberté de s'émouvoir, la même liberté de parler, la même liberté même de nous mentir pour ceux qui sont des étrangers, même si les preuves et bimaki libanda balakisi bino keta la muto yo depuis année telle azo kokota en États-Unis comme citoyen zambien ma wangani parce que azo nangé peuple congolais pona bango abesa peuple congolais valerte. Ils ont quand même mis la liberté d'expression même d'attaquer personnellement le chef de l'État kaka mutuana asali campagne to moni mwasi na yete. Pourtant, Azam marié, Azam n'a pas, mais tout le ni moi, ni moi, pourtant, Fatih Beto a tamboué la campagne avec toute sa grande famille, y compris ses beaux-fils, ses belles-sœurs et ses filles, ses fils, ainsi de suite. Donc, voilà, tout le que dans cet élan de choses, Fatih Beto a dominé le terrain, comme on vient de le dire. C'est la campagne électorale s'est déroulée dans un climat démocratique. Nous avons vu au cours de cette campagne, tous les candidats à l'élection présidentielle ont eu droit à la même liberté de pensée, d'expression, de mouvement et d'action. Y compris même dans cette liberté-là, certains en ont abusé pour mentir au peuple congolais droit dans les yeux, pour attaquer personnellement le chef de l'État, pour faire toute forme de divulgation, même ceux qui sont loin des sondages du top 20, se prétendaient ouvertement d'être dans le top 2 au nom de la liberté qui leur a été octroyée et ils les ont fait. Ce sont des prétendants, c'est plutôt une campagne électorale passée dans les conditions très démocratiques, ce qui nous prouve que nous sommes face à un meilleur cycle électoral que notre pays n'ait jamais connu, grâce effectivement à la détermination de toute l'équipe de la CENI, dirigée par le président Denis Kadima. Il faut aussi retenir que le chef de l'État, Fatih Beto, avait placé sa campagne sous le thème de consolidant les acquis, sous les valeurs de l'unité, de la sécurité et de la prospérité. C'est ainsi que dans son message, qui a été bien accueilli et bien capté par la population congolaise, le président Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, nous parle de ses engagements. Quels sont ses acquis qu'il doit consolider et accroître tant que tout le monde comme tout le monde peut s'aider, c'est comme mandat. Puisque toutes les belles défauts qui s'est offert, toutes ces marées humaines est un témoignage le plus clair de l'adhésion du peuple congolais à son deuxième mandat. C'est un indicateur qui vient d'ailleurs s'ajouter à d'autres indicateurs internationaux aussi, notamment les sondages qu'on a vus être organisés même par des maisons, des agences qui ne sont pas naturellement favorables au chef de l'État, mais dans leur propre sondage, ils ont été battus en plate couture. C'est ainsi que, dans son message, le chef de l'État nous parle de ses acquis qu'il doit consolider. Ces acquis-là sont au nombre de 6 qu'il appelle engagement défini dans les 6 grandes lignes. Le président de la République nous parle de la première ligne. Il veut que dans son deuxième mandat, il veut créer plus d'emplois. Déjà, durant son premier mandat, le président de la République a créé beaucoup d'emplois, mais tokoye bayangote parce que toza ou toko sentir angote parce que toza touti na kati ya libulu. Grâce à mokonzi ya mboka Fatih Beto, to bimisi mutu likolo. Yango comme toza ebele na kati ya besoin, même cela un grand nombre bazu opportunitaire au sala, to ressentir angote na kati ya masse totale.
Mais bon, il va peut-être souquer. Tu connais sentir en mode parce que Congolais a développé mingi monte mama b égoïsme. Et si quand ils ont gâté, c'est que ça les maté. Ce qui n'a zuté, c'est que Bakabula a quitté. Pourtant, les paniers circulent encore. Les efforts qui sont en train d'être faits, c'est pour que finish tous les Congolais y bénéficient. Nous disons que il faut d'abord savoir, avant de parler de qui qu'on doit consolider et pérenniser, voire même accroître. Le chef de l'État a commencé son mandat beaucoup trop tard. Il a d'abord perdu beaucoup de temps, des années avec l'alliance FCC-CACH, alliance au président de la République Andimaki, na bolinga peuple congolais pour nous préserver Kimia. C'est la première expérience démocratique en cannabis où tu vivre passation des pouvoirs, même si la Kabylie était contrainte par la volonté de la population, mais tu vivre première passation pacifique de pouvoir, première plutôt, allais-je dire, de pouvoir. Alors, il fallait qu'on garde un moment où on a des acquis très sensibles. Qu'on s'en a tout, qu'on l'occupe, qu'on pélisse, qu'on boit que le monde a monté, qu'on s'en a que monté. Il y a un moment où président pour nous préserver Kimia, Andimak Alliance FCCH. Malheureusement, nos amis ont été de très mauvaise volonté. Il y a un moment où on a gardé un statu quo. Un moment où on a prédation, la population a gardé un appauvrissement. C'est pourquoi le chef de l'État a compris qu'il était temps de s'assumer à cette alliance. Il y a encore la COVID-19. Il y a encore une pandémie qui a paralysé le monde entier. Notre pays était très faible, malheureusement plutôt, grâce à l'intervention du chef de l'État. Il a quand même réussi à contenir certains dégâts. Il y a encore une fois, mandat en retard. Mais le retard a pris, disons, 2 ans ou 3 ans après. Il a quand même fait un exploit par rapport à la situation que vous avez acquis. Alors, la première ligne à l'objet, c'est la ligne A. Il veut, dans son deuxième mandat, plus faire d'emplois. Et la crise, c'est que dans le premier mandat, il a créé des emplois. Tomoni, il a mécanisé 300 nouvelles unités. Ou bien, comme on a régulièrement la fonction publique, il y a beaucoup de banques qui étaient maintenant à la banque. Il y a la traçabilité, il y a rationaliser la dépense publique. Il y a 10 000 personnes dans la retraite et ce sont des retraités qui sont pris en charge grâce notamment à la relance de CENSAP. Le président de la République a souki en été. A créé d'emploi même dans le secteur privé. D'abord, même dans l'État, le président a créé différentes structures et établissements pour accompagner, pour encadrer les jeunes entrepreneurs, les fonds spéciaux, les entrepreneurs, tous les FOGEC, les gens créé. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui se sont engagés dans cet encadrement-là, aujourd'hui, peuvent témoigner par eux-mêmes comment est-ce qu'ils ont réussi à faire vivre, à matérialiser leurs entreprises. Le président de la République a relancé ARSP, Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a instruit PAPC. Soutien ma casse une pifote au Koloba, na DG Miguel Katembe, pour qu'on a bon côté dans la carte d'entreprise, soit il y a l'État ou bien il y a privé plutôt, pour qu'on décroche le marché à sous-traitance en faveur du peuple congolais, puis Ezala, bien réminé, ma kamouté, que, na zi moussala, sous-traitance, ma carte, ma peuple va foutre à 400, mais ma peuple à 200 dollars. Tout ça, le président est arrêté, ça. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, grâce à RSP, ceux qui s'enrôlent, faut qu'on y ait un peu, moussala, le cadre, faut qu'il y ait un moussala. Ceux qui s'enrôlent, bah, il y a mis ça grâce à respect. Tout le monde est sous herbe à Fongoli, à renforcer flotte. Il y a transport, il y a Transco. Et ça, il a créé encore des emplois, même jusqu'à Transco, côté de la province. Il a créé des emplois. Tout le monde est usine ensemble de la Mercedes, à 11e rue limitée. Et ça, non seulement création d'emplois, ils allaient en même temps et renforcement et expérience. Il y a des Congolais, il y a des mécaniques. Tout le monde est sous, grâce à des chantiers. Oui, à Fongoli, par-ci, par-là, bah, infrastructure, notamment bah, immeuble. Tout le monde est président, c'est un immeuble, tout le monde est un centre financier, le symbole de l'Allemagne d'Afrique. Et bien, ici, il y a près de 3000 Congolais, mais ça, là, bah, niveau nul sur la responsabilité. Et bah, exemple, ils allient les gens. Il y a un moment donné que Erazoko, ta deuxième mandat, il veut que cette expérience d'emploi soit étendue dans la population, pour la population congolaise, à Kokabongo, selon le niveau d'études, selon le niveau de compétences, selon l'expertise, pour vivre décemment. Alors, bien, la deuxième grande ligne, il veut plus de pouvoir d'achat. Le reste, tout le monde dit que Tokuti, économie moko boye ya kokoso, une économie qui dépend de l'extérieur, une économie constipée.
Donc, il s'agit que le peuple congolais, comme nous avons produit, nous avons consommé quelque chose de Libanda, nous avons la difficulté à pouvoir d'être. Puisque nous avons besoin de Libanda, dollars et les colombes, mon avis. Le président veut que nous avons besoin d'effort d'abord à Liboso, à dédollariser fonction publique. C'est-à-dire que emploi, fonctionnaires de l'État, comment vous foutez dans la France congolais, les affaires de l'Europe, mon avis, sont valables. À l'ingito, quand on a quatre entrepreneuriat, dans l'agriculture, par exemple, Tolo Naka. Pour te milier, c'est puis pour te transformer kayango et puis to, avec ça, si tu as une capacité de production, tu auras bon peu comme maintenant, on aura forcément un pouvoir d'achat. Ce qu'il veut dans le deuxième mandat, à renforcer le mécanisme, dans le sens que dollar est quitté, peuple franc congolais a valeur sur les marchés, peuple congolais a dans besoin, il y a un marché qui est un service dans le marché. Alors, sur la troisième ligne, il veut plus de sécurité. Tolandaki n'a débuté le premier mandat naïe. Mokondiambo Kafachi Betan Lobaki, il ne se sentira pas président de la République tant que la paix n'est pas revenue à l'Est. Pour une situation qui date de plus de 30 ans, malgré la volonté d'un homme et les efforts qu'il consent, on ne peut pas ramener la paix en 5 ans. Mais on peut engager des actions qui repoussent la menace jusqu'à nous donner une lueur d'espoir. Pour la recommander la paix. C'est ce que le chef de l'État, Fatih Beton, a fait. Tout le monde a 5 ans où il a passé dans la tête de Mboka Nabiso. Il y a un retour de la paix dans la partie est, dans Ituri notamment. Mokondi Mboka a agi sur deux leviers. Levier diplomatique et la question que affaire identifiée peut désigner agresseur Nabiso Zali Bongo, Paul Kagame, les sanguinaires, les génocidaires, les Congolais, Paul Kagame, les lots. Moutounion soit yébi, personne ne sape. Qui en tout cas, on a congolais. Pour opposer à la Kagame, c'est bien tant qu'on a Kagame. Tu vas pas en avoir tant parce que Bazali, ma petite bitina naïe. Tu as raison, on va comprendre pourquoi. Le président réussit à pointer du doigt l'agresseur, le Rwanda, de Paul Kagame lui-même. Le président de la République, grâce à la forte, aux bien diplomatie agissante du chef de l'État. Il a réussi à mobiliser le soutien de beaucoup de pays, notamment les grandes puissances. Autour pour se joindre la voix RDC pour nous crier haut et fort que Rwanda doit agresser Bissau et puis il faut bimanaka tamboka parce que la diplomatie c'est d'abord la parole que les actes que plutôt c'est d'abord le cerveau la parole que les biceps Mokondi Mboka grâce à la diplomatie distante na ina makambeta les guerres a fait retirer Rwanda de beaucoup de soutien à Kalibanda, notamment en Angleterre, en États-Unis, parce que Rwanda a des facteurs au côté de l'économie dans les alliés qui m'ont dit que les minerais dans le cannabis. Deuxièmement, aide à Kalibanda comme étant un petit pays, un pays infortuné. Donc, il y a un pays qui a été fortuné. Il y a que deux économies. Le président a réussi à les fragiliser parce que, d'abord, de un, à Kati, pillage à ressources dans le cannabis. De deux, à Kati, va aider les Rwandais à Libanda. Trois, plutôt quatre, grâce à l'effort diplomatique à chef de l'État aujourd'hui, notre pays qui était en paix, qui avait les mains liées pour se défendre, le Fatih Beton a fondé son Mboko. La question c'est qu'elle enleva embargo sur les achats des armes. Parce que comment on peut se défendre ceux qui ont un Mboko côté? Alors, grâce à la diplomatie, a réussi que la grande puissance soit RDC, autorisation, pour préparer remontée d'affaires FRDC. Sans parler du fait que Fatih Beton a mettre MONUSCO à nu. À la question que MONUSCO, d'une certaine manière, a zali complice. Et quand vous allez dit parce que depuis 30 ans, à Zanambo Cannabis, avec mission de ramener la paix, aucune paix n'a existé. Au contraire, la barbarie, la mort des Congolais, le viol, l'enlèvement, les travaux forcés, les mineurs et tout ça, ils ont évolué. Et à croire que jamais, jamais, n'a ni décroissance. Fachi a gagné les MONUSCO, si MONUSCO a comprendre, voilà, parce que c'est inutile, parce que c'est sauté. Même encore, Fachi, grâce à la diplomatie, a démasqué l'hypocrisie à certains pays africains, notamment CIAC, ou EAC plutôt, où il y a une contingent militaire, il y a un tchèque, il y a un accompagnement face FRDC, et tchèque qui met pourtant, il y a un pays qui rebelle encore plus de force à ce qu'on a résisté. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie du centre du chef de l'État aussi, dans le cadre de la riposte de la guerre, to commis les aboutissements à faire des routes autobengaka nani ya Luanda na Nairobi oyeko ezali ko obliger ba rebelles ba okabongo ko se cantonner aujourd'hui encore
Grâce à la diplomatie adjustante du chef de l'État, les États-Unis d'Amérique est obligé par Kagame, et il a fait, de se retirer dans la carte RDC à travers d'abord son armée régulière aux Anakata. RDC va battre en Batamaka, va bimi, et on Kagame a nyongi, a créé ce comité, a créé une structure politico-militaire aux Alibons, tout le monde a besoin de Corona, il n'y a les clochards de Corona, il n'y a et les autres bissim et consorts. On va encore revenir dans le deuxième sujet. De Monique, aujourd'hui, la diplomatie à distance du chef de l'État retourne en haut dans l'effort de guerre et repousse même Mguna parce qu'on l'a mis dans la lumière, Et deuxièmement, dans le cadre de la sécurité, il n'y a plus de sécurité. Malgré qu'on a la diplomatie, c'est-à-dire que je suis en train de sembler à l'oba. Mais, je ne pense pas. Il y a un rapport de force. Tout le monde est que je suis en train de monter en puissance de FRDC pour la première fois de notre pays. Notre armée est en train de plan de programmation militaire. Dans le coup, c'est un budget spécifique qui est armé. Mon solo est vraiment armé pour se doter des moyens où nous sommes en tout genre pour nous défendre le cannabis sur une attaque intérieure comme extérieure pour défendre, pour préserver l'intégrité et la souveraineté. Il y a un cannabis. Quand on a cadre pour monter pour ça, c'est armé. Le président Kouta qui a quatre armées, Nenge, Kabili, Salaka à l'époque, il y a un brassage, mixage et consort. Il y a Rwandais, étranger, il y a un grand cannabis. Il y a un quatre armées pour ne pas avoir un cannabis. Il y a un quatre. Fatih, étant le bouquet mécanique, il y a un quatre armées. Il y a un état de droit. À bois qui est un Libanais, tout le monde est un droit. Il y a un John Nome, il y a un déserteur. Tout le monde est un Mwangachouchou, il y a un prison. Il y a un démasque, il y a un prison. Il y a beaucoup de généraux qu'on ne citera pas et d'autres peut-être pour des raisons sécuritaires qu'on ne dira pas ici. Mais le président Fatih a mis il y a quatre armées Libanais, il y a armées. Président a sali recrutement au Israël jamais causé là. Pour la première fois dans notre pays, tout le monde est jeunesse, enthousiasme, il y a qu'on s'engage dans la 4e armée pour nous défendre le mot canaille. Même aussi, au bas de temps, un peu dans le tchèque de l'étudiant, tout le monde a qui va nommer volontairement dans la 4e programme, il y a formation, il y a réserviste, c'est-à-dire, à Zana Université, à Magalhães, qu'on s'engage dans l'armée, après son gratuit formation, il y a un an, à Zone, qu'on a beau civil, il m'a gardé la morale parce que, je vous ai dit, comme d'autres qui ont fait la guerre contre le Rwanda, tout ce monde-là sera. Il faut que mon lendemain soit Robert Thomas. C'est pour la coquinerie qu'on défend un bon cannabis. Même si le président a dit que ça ne sera pas utile parce qu'on va attaquer le Rwanda sans qu'on ait des troupes au sol. On va attaquer par la voie aérienne puisque aujourd'hui notre pays a ses moyens grâce à notre politique qui a monté en puissance. Il y a FRDC. Il y a également aussi la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures militaires, notamment sanitaires, comme tout le monde qui réhabilitation hôpital à Kachachi. Tout le monde dit président. À Tiemo Solomingi pour organiser conditions. Il y a Basoda, Basina Bango, Famina Bango, ceux qui ont béli à Korabongo dans le soin à Malonga, à Simbaka Salaire, il y a fin du mois, ceux qui peuvent dans les camps et commis qui ont été mis en Mapinga, à Koué, dans le champ de bataille, Famina et Bango vivre aisément, si. Na makambu ti mokolo soka na molongo ya ngo président le bopé sa deuxième mandat pour na axe sécuritaire il veut faire beaucoup plus c'est-à-dire qui mène à STC là ba groupe rebelle autre benga ba groupe intercommunautaire local c'est créément grâce à manipulation Munguna parce que un seul peuple vont se battre avec les armes à feu avec les armes blanches s'entretuer se blesser. Pourquoi le président de la République aussi a réussi à réduire un très grand nombre de ces rebelles. Ceux qui résistent encore, quand il y a un la deuxième mandat, c'est pour que va sévir, va limer la surface, parce que l'aligné qui mette dans le cannabis, l'aligné Koulouna. Et si là, l'aligné qui met dans l'Est, il y a un lobby pour ce deuxième mandat pour qu'il puisse encore faire plus. Il y a une quatrième lune, il y a un engagement, donc on a un lobby, il veut plus de diversification de l'économie. Aligné dans mon coussin, Congolais abanda bongo ko produire, abanda ko consommer ou azo produire, abanda ko distribuer, puis ko échanger envers l'extérieur, avec l'extérieur. Tout comme appelle la capacité à ça la peu corps na baninga. Tout comme appelle ko importer peu l'os na biso ya Bumba, na Thaïlande, na Dubaï, tout importer tomate na biso ya Bakongo, na États-Unis, na Tunisie, na Swaziland, ainsi de suite. Yango lobi a déjà abanda ki. Après, il y a un semencement. Il y a un semencement. Il y a un semencement.
a lancé un projet agro-industriel et bien pour aider les Congolais qui sont à zota un hectare à Salabilang et puis à lobby il faut tout bima tout créer un projet au sein de que tu vas appeler la poste n'a bien sonné projet local la projet il y a grand inga ils ont en cours il y a fonctionnement ils ont en cours plutôt d'exécution projet à grand port de banane qui a aussi créé des emplois qui va faire notre qui va mettre notre pays au centre import export international. Il y a des projets comme ça qui va tenter de lancer ou plutôt de faire aboutir dans le deuxième mandat pour dans le pays congolais une économie qui est diversifiée pour une première fois pour dire que c'est plein de magambe à dollars nous sommes magapé magambe na franc congolais tout bas na franc congolais tout magapé franc congolais il est magapé les États-Unis il est magapé l'Ibanda. Voilà ce que le président va faire avec nous dans son deuxième mandat. Sur l'axe, il y a diversification de l'économie. À l'objet, c'est un cinquième axe, naïe, à l'objet, plus d'accès aux services de base. Services de base, c'est la kissi, courant, maï, santé, éducation, route, encadrement et jeunesse. Dans le mbango, les chiffres sont là, vous pouvez vérifier. À côté des certes en eau potable, c'est-à-dire dans RDC Mobimba, c'est 10% des ménages. Tout le monde a mis le peuple congolais, le Kinois, qui a fait le RDCT. Il faut que vous ayez le parce que mon connaissance a coûté 10% du peuple congolais qui a servi dans la maille. Les chiffres ont été largement évolué à plus de 30% grâce à l'implication de la politique du peuple congolais. Maï Tomoni, il a inauguré plus de 4 stations de pompage d'eau. Le président de la République a renforcé tout y a dessert, y a courant, l'otili qui n'a pas d'accord n'a biso, notamment y a mon corps l'obité. Il faut tout loupé pour créer une certaine mesure pour tout renforcer l'absorbé de la courant. Non seulement qu'ils ont lancé projet aboutissement à projet Inga 3 qui non seulement donnera le courant à toute la République démocratique du Congo, mais aussi va vendre des courants à l'extérieur dans le pays moko ya Afrique pays ya Libanda tout le monde même na zongo première fois bat c'est pas le courant il y a grâce à Fachi Beton c'est-à-dire il a aussi élargi qu'on a une desserte en électricité na makambo etali service de base il y a éducation wana ko tout le bilango c'était parce que mounia ça yebi yango makambo ya kotanga na dressage ici là année yo mbuya tangi kuna kan kotanga l'année prochaine et ça la souter. Parce que tout aujourd'hui, pour ma parents, ma maman, ma recherche, ma maman, qui m'a kala, mouté qui m'a pas, moi, je suis là. Je suis là, évidemment, c'est que c'est ma 4e présidente qui est bon, je suis là, 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 parce que à suis là, je suis là, 1 plus 1 égale 2. Grâce à Fachi Beton, les enfants étudient gratuitement. École et on a mis plus de 4000 écoles au jamais salement au cannabis. On a fait une campagne aucune école sans banc, même grâce au projet de 145 territoires. Aujourd'hui, même les plus chaque territoire de la RDC est doté d'une école moderne. On les a acquis au lieu de photo consolider au photo où mis ça on peut et vivre pour que même gâter l'enseignement président Lingui dans le deuxième mandat naïe et comment à bas niveau Nyonso primaire, maternelle, primaire, secondaire, humanitaire même. Et je suis à l'université. Tout le monde, même dans ma campagne, l'éducation, le président de la République opti à 6 000 étudiants. À part ça, quand on assiste à un cycle de base, le président a abomi COP, il a abomi système, il y a école COP. Dengue, église catholique vraiment T, mais dengue à Mongo. On a dit, archevêque à Villa Kinshasa, avec une politique où on a l'élo, dans mon cannabis, les écoles catholiques sont les écoles qui coûtent les plus cher. Babana kuba comment qu'on obligé bana. Ba parents va foutre à 4 minervals, 4 types de frais scolaires. Ba comment obligé bana ba son makabilo ko ya kolia na école. Oh, yote quand même pas école ya ngomoko. Système ezai ki ndi ngona biso ya ndona biso congolais, a son ba tamama ba être ba na école ba catholique ba bomango ambongo abomango. Ambongo a comment te que la bana ba sac, ba chemise. Même les ketch, même les chaussettes dans quatre écoles, même les cinglés. Mais Fachi Beton, bon mieux système école COP. Il y a un moment qui est là, il y a un réseau qui est là, Fachi, parce que à quand il y a un robinet, il y a un robinet, grâce à malheur, le peuple congolais et Koufa. Le président de la République a lobby dans le deuxième mandat, ce qui est là, a aussi la même cantine. Parce que c'est un projet qui est déjà en étude dans le bureau du ministre Tony Mwamba, gardien de la gratuité d'enseignement. Président, dans le cadre de la rééducation,
abosani ba étudiante. Le président de la République a assaini, harmonisé les conditions d'études. Il y a étudiants à Bissau, tout le monde président de la République a construit, puis a réhabilité ba université. Et belé les locaux doivent être inaugurés plutôt. Homme, nani, UPN, comme il flamba neuf. Tout le monde, homme, et Zaraka, le coup là, je ne sais pas quoi, comment définir. Salité, mon coup, boy, déconcertante. Apparence, mon coup, n'est-ce pas, plus, place, il y a un doki qui est étudiant. Mais grâce au président, quand tu vas à l'UNIKI, tu vas dans IBTP, tu vas à l'UPEN, tu vas dans n'importe quelle université à Mokanabiso, aux autres à fierté. Aujourd'hui, on a des constructions à l'université dans les provinces. Dadi qui veut dans le deuxième mandat que toutes les provinces de la RDC aient des universités de référence de la même qualité ou qui n'a rien à envier avec l'extérieur. Tout le monde y a possible étudiant transacadémien aujourd'hui. Étudiant, on a commenté au thème à réponse au cas transport. Il a son abonnement de moins de 2 dollars au aider à se foutre à transport. Il a mettre transport et notamment à esprit qui mien. Avec le secteur éducatif et Zali Ebele. Tout le monde, juste dans le cadre de service, accès aux services de base, il y a aussi Makambetali Santé, Toloba Souté, Poto Ebike, Bato Bazaï Koyi Bambon à l'État, à Bombi, pour n'aller au sol avec papa social, dans le cadre de centre hospitalier, dans le cadre de l'hôpital et Sili. Makambetali Santé, Maman Boti, à l'hôpital, tu es comme ça la cotisation est dans ma tanga pour maman à l'hôpital, tu es là, à l'ongue, et ça comment qui passe. Mais aujourd'hui, grâce à Fatih Béton, aujourd'hui, maman Zali Kobota Ofele, dans l'hôpital à Miné, dans le cannabis, et puis par exemple, je charge à moi dans le médical, dans le médical, pendant 3 mois ou même 4 mois, et cette gratuité dans le cadre de programme de santé universelle, ils ont des applications dans la ville de Kinshasa, même dans beaucoup de provinces aussi, et c'est effectif. Ce qu'on a témé, tant que ça, il y a des gens qui ont dit que la maman, si on a dit que la maman, si on a dit et il veut que dans le deuxième mandat, gratuité wana, et s'étendre même dans les territoires les plus profonds. Alors, le deuxième mandat, grâce à un programme santé, une couverture santé universelle, donc quand même on peut colonner là bas maman bas ça les aime donc on peut même dans biso tomber la carmo fièvre au bel immatifoïde donc au rabon au rien hôpital parce que soigner on peut grâce à la couverture santé universelle on me condamne à ressortir que l'État a ça la l'État a les moyens mais moi je ne dépasse que dans d'ailleurs au Yibango l'État des moyens le président va mobiliser les moyens pour que la population congolaise au rabon cause de santé au fait cause de soins de santé au fait les la deuxième année mais quand on peut d'ailleurs là bas couffi la typhoïde à quoi je sais pas, un microbe, et si la passe que ma carrière va nous trop. Il faut ma carrière ici, la voir, c'est ce que l'État veut faire avec nous dans son deuxième mandat. L'accès aux services de base, c'est aussi la construction des routes. On n'en parlera pas, tout le monde voit la route Nzolana. Tout le monde voit la réhabilitation de la route nationale. Nous avons créé la construction des ponts. Nous avons éligné ça, au-delà de tout. Nous avons créé l'Équateur. Pour la première fois, on a mandat une route macadam et côte. On a fait effet Fatih Béton qui est le deuxième mandat. Il y a tout la plus de routes que nos cannabis et comment interconnecté. Moutoua Longamata, il y a une bande de Moutanzela, il y a Mabele, Moutoua Longamata, Nanga, Akenena, Lubumbashi, Nanzela, il y a Mabele dans les bonnes conditions. Tout le monde peut se dire que mon condamnement a lancé Sunzela et Maï. Tout le monde a qui va. Bah trop bien on peut être bah mis tout comme il y a Transco eux ben au bon temps pour ça le transport fluvial le président de la République veut qu'on donne encore un deuxième mandat pour à élargir tout ça là tout bon ça n'était encadrement de la jeunesse dans le cadre de président accès de base le président de la République aujourd'hui a donné de la valeur à une catégorie de la jeunesse qui était instrumentalisée qui était victime il y a indifférence, il y a un dirigeant d'Abisso, victime, il y a dictature, il y a Kabylie, il y a un Fatih Béton, un Raya Kouti, phénomène Koulouna. Fatih Alobi, ce sont nos frères, nos enfants congolais. On ne peut pas les tuer comme ça. Nous devons les encadrer. Au nord, il y a continuité de l'État. Je vais réparer les torts, comme l'autre État l'a réparé. Je vais aussi réparer ces torts que Kabila a causé dans la vie de nos jeunes enfants. Aujourd'hui, Koulouna, Fatih a commencé à Koulouna bâtisseur. Kouna lelo a lesa biso masango chaque jour a longo na 200 hectares to komina 4000 hectares masango kouna tangeli ba biso ba bamba otanga ofele
Kuluna atongeli biso ba aussi ba peinture kuluna lelo azan afrique c'est d'aller ko tanga différents domaines techniques pour na yekola ko piloter ba engin ko ba ko sala na bâtiment les kuluna aujourd'hui ce sont des bâtisseurs grâce à l'amour que le chef de l'état porte population congolaise. Malheureusement, il y a encore des opposants qui manipulent la jeunesse. Aujourd'hui même tout monde même ma kuluna Fatih Beton, il a subventionné des organisations au bazali habilité na gérer ba jeunes délinquants de ti Fondation G24 et à honorable Jean-Marie Lukulasi, ou Adali Pibongo candidat, député national. Vous allez comprendre que Mokonda Mboka, il veut, il a l'amour du pays, il fait mieux que beaucoup. Là où il faut détruire, il améliore par l'amour qu'il a pour le peuple congolais. Voilà un peu ce que le président de la République a fait dans le cadre de service d'accès de base, accès aux services de base, et il veut que dans son deuxième mandat, que tout ceci soit complet pour que Oakouen et Simanaye, tout comme la population à Longanzala, voilà même la justice aussi. Aujourd'hui, la justice est comme équitable. Aujourd'hui, même moi, j'ai le droit d'aller porter plainte contre un ministre sans que c'est un rambon ou un papier publicataire. Vous comprenez que le président Azali Kocha accent parce qu'avec que justice des alliés, fondement et à notre leitmotiv, l'état de droit et le peuple d'abord. Enfin, le président Lobby de Soussou, la dernière grande ligne, il faut en renforcer plus, à renforcer. Haute présence paix autorité à l'état dans Bokanabiso nakati ya toute le 26 provinces. J'ai payé 145 territoires. Aujourd'hui, tous nos territoires sont dotés de bâtiments administratifs pimponef avec des conditions modernes pour aider d'abord nos autorités de base ba regarder ko fanda pour que sont alignés à boti avec ba identifier ba que bureau d'identification et population yangwana parce que déjà nous avons des cartes d'identification pour la première fois dans notre pays après les Aïrs nous allons être identifiés comme des Congolais te ba qui est qui on n'aura plus besoin ba ceux qui ont un document ba un document d'identité on peut sa carte d'électeur on peut sa carte d'identité na bientôt déjà trop bana ko leka pour la kokende ko zo yango donc toi na koloba na dernière ligne na yemo ko nzamboka a pesibiso renforcement et présence à l'État, paix autorité naïe. Il y a un moment grâce à programme à 145 territoires, nous avons un débattement administratif. Grâce à remontade à FRDC, nous avons la présence militaire, des militaires bien formés et très engagés dans la cause de la République. Ce qui sera que dans le deuxième mandat, Zoya, il n'y aura plus de question que Moutoua, Lungwakunda, Mbokanaye, Arabe, Tatou, Mbokanaye, pour ça, le sabotage à Zonga. Tous ces gens seront arrêtés et nous pourrons, seront d'abord dissuadés par la présence de l'État, l'aura que l'État va dégager dans toutes ces provinces, dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pouvons vous dire, chers compatriotes, en termes d'analyse sur les premiers précisions d'Abisso et Talibongo, bilan en campagne à Mokonzi Mboka. C'est ici encore l'occasion de féliciter d'abord le chef de l'État, de lui rendre hommage parce qu'il a été très fort, il a été triomphant, malgré la charge étatique qu'il n'a pas d'ailleurs... à Kimi Angote, il a continué d'assumer ses fonctions comme le chef de l'État, tout en faisant la campagne à 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous gardons une minute de silence pour nos frères et sœurs qu'on avait perdu à Kasangulo, Bakoufa Kina, étouffement, leur visite à Mokonzi Mboka, à Mboka, à Kasangulo. Nous pensons également à ceux qui ont été aussi malades, parce que Bangaï Mokonzi Mboka, Balanda qui est partout, grâce au combat, c'est une force physique, mon robe est débordante, Balanda qui est dans la foule, tous ces gens-là, nous pensons en vous et que nos prières nous vous accompagnent. Nous remercions l'équipe, la campagne à chef de l'État, Maître Jacquemin Chabani, Maman Akasia Bandoubola, Nengbo Simplikaki, à vos risques et périls, malgré les différentes attaques au Bosibisaki, malgré les imperfections au Bosaki, mais vous savez, Moussama, la team 20 a été très parfaite. Nous remercions nous-mêmes aussi, les jeunes leaders du chef de l'État, Oba Simplikaki, bénévolement, dans la campagne de Mokonzi Mboka, Bazaki, dans la communication sur le terrain, communication dans les médias, partout ailleurs, pour nous faire valoir éventuellement Mokonzi Mboka. Nous remercions la population, les combats. Combattants de l'UDPS, les combattants Union Sacrée, nous remercions la population congolaise, au Bango Moko, Basomba campagne à chef de l'État. Aujourd'hui, Fatih Beton a été plus visible par les propres moyens des gens. Moutao Luka, Nasomba, Basomba pour la Fatih Wap, Basomba pour la Fatih Wap, pour l'amour du pays, parce qu'on va comprendre que Fatih Beton représente. C'est un homme providentiel, représente l'espoir de tout un peuple, de tout un pays. Nous vous remercions tous, tu apprends de nos erreurs.
nous attend aussi fiers, nous sentons aussi fiers de nos avancées. La communication du chef de l'État a été très bien assurée. Il y a des jeunes leaders qui se sont impliqués. Boyer, mais côté, vous avez un héros dans l'ombre, même les gens vivants aussi. Nous aurons notre récompense parce que nous servons la République démocratique du Congo. Nous servons le chef de l'État. Merci beaucoup. Deuxième sujet, nous avons Kibongo, Otobengi, Maman Alikambo. Alarme. Toye, Kosone, sonnette d'alarme parce que il y a un complot, il y a mon aîné contre Mbokanabiso. Alors que Seni Azali pour rassurer Bisso que mercredi au le 20 décembre, donc au Kenya dans toutes les 26 provinces pendant qu'on botte Mokondi Mboka, pour n'avoir ces Azali Fati Beton, peuple congolais pour n'avoir Fati Beton et les députés ainsi d'autres échéances pendant qu'on passe à Mokondi Mboka, large majorité à tous les niveaux. Malheureusement, ceux qui se qualifient de pseudo-opposants, opposition à pété-pété, depuis le début de la campagne électorale, Bazali Kakabongo, ou les la politique, Bazali Bongo, Kosa, la neba attaque personnelle contre le chef de l'État, pour qu'on découpe sa écande, qu'on ridiculise, qu'on humilie, Bazali Bongo, Kosa, la attaque contre la CENI, pour qu'on discrédite le processus électoral. Tout ça parce que l'aboutissement, il y a ma critique ou alors tout bien la diversion, c'est pour préparer un lit, c'est pour produire un alibi. Il y a complot et on va planifier contre Mbokanabiso, contre intérêt à peuple congolais, contre sécurité à peuple congolais. Tolandi Bisonyanso, Mbela ou annonce officielle, Oyo Corneille Nanga. Ensemble, on a battu M23 et d'autres mouvements rebelles, des forces négatives contre notre pays. Bah, ça, on a Kenya, sous la bénédiction du président Kenya, pourtant Zali, membre et assez, pourtant le Kenya et nous, tous dans la relation diplomatique, jusque là encore, il y a bon terme, balancer officiellement un mouvement politico-militaire, bah, ben, yango, alliance du fleuve Congo. Bah, le but est mouvement des apes militaires et politiques. Na boule, yako chamoto na mboka na biso ko bengana Félix Tshisekedi de Tshilombo azali bongo symbole d'espoir à peuple congolais pour na ko restaurer système à miyibi o ba imesana ko yiba mboka na biso ba imesana ko boma pour na ko zoba richesse na biso. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ces messages là? Il faut d'abord ko remonter misisa nango guerre ya est. Détermination. Il y a président de la République, Fatih Bertin, pour chaque humain dans l'Est de la République. Et aboutissement même. Et bien, effort na yé pour na kimi comme zong na Est. Yangonde et Ali. Cause. Ya otomoni lelo. Ça, on est dans un élément du puzzle. Je vais vous réunir tous les puzzles là aujourd'hui. Guerre ya Est wana. Situation Est. Pour na bansousou. Et Ali COP. Qui consiste à tuer, à violer, à enlever, à esclavagiser le peuple congolais pour na kobota la richesse naturelle na biso ko exploiter ngo pour na intérêt na bango. Guerre ya Est wana botala ninga zali échelonné. Ba entreprise autobenga ka ba métier national. Ba lingi basa na posa ya ba minéré ndeti ba cobalt ndeti ba cuivre ndeti ba or ndeti ba malachite ba manganèse ainsi de suite pour na ko sala cop na bango basalaka ya ba chombo ya ba prêt électroménager de véhicules ainsi de suite même les hélium pour na batterie sikoyo balobi non to som bangote ko som basala nous coûter trop cher nettement pourtant on peut la voir facilement. Qu'est-ce qu'on va faire? Créons la guerre. Tout le monde a créé une guerre en Libye. Pour ne pas y avoir pétrole en Libye. Il a créé une guerre en Irak. Il a créé une guerre en Syrie. Ainsi de suite. Né Est en Abissopé. Et Sibissa, même sort. Il a créé une guerre. Dans cette guerre, on a sous-traité. Il a fait une Union européenne. Tu as posté la minerai. Dans cette guerre Est, l'Union européenne peut engager. Bamiyibi, badongolomis na biso ba na frontière
ba pays sous africain bozoa cop bozoa mersolo bozoa ba moyen bo quelque instabilité na kati ya mboka Congo pour atoyi ba minerai ya kaverbe biso biso bino bozo bo garda kango ces pays africains e bango ba zupe passation de marché ya mafia ya koboma congolais pour na yibe minerai ba lobi bon to ko sala ngobi somo kote to ko ta ba congolais ya miyibi oba linga mboka na bango ba ko tanga ta ko pour na to sala pe to sala pe na bato à l'interne à tous les niveaux c'est ainsi que ba congolais ba ko tanga ta ko wana parce que même bato ba pays africains wana oba zu ba ko oba zo ko wana mais comme ils connaissent pas le terrain ils peuvent pas opérer ils doivent au départ avoir des compatriotes ou des gens qui résident des bazoa ba ko tanga ta ko wana ba bani ko bo ma population ko terroriser ba ki makaba place bazali wana ba ni ko affaiblir autorité à l'état en complicité avec les pouvoirs en place qui étaient passés. C'est ça. Alors vous allez comprendre que El Fati a yé na détermination ya ko kata guerre wana ben fort à fournir et réduire significativement influence ya batu wana kati ya COP lelo primaire à gold. Ils allaient entreprendre, ils allaient créer pour nous fournir or na biso na Dubaï. Pourtant, c'était les Rwandais qui avaient le contrat de fournir notre or dans le pays wana. Mais aujourd'hui, l'entreprise primaire existe pour nous consolider ou bien couper sa contexte dans la formal na n'est pas facile à récupérer encore pendant yamu yamu yibi quand même mandat comme ça. Aujourd'hui, les minéraux du sang. Et comment passe? Parce que aujourd'hui, grâce à l'effort pe vision oyo mama samba ministre mina zoa ke pa chef de l'état a s'impliquer pour ba carré miné ki muyibe na zoa na ki muyibe esi la place kanda pe ya corona inanga iuta corona inanga azala ki muyibe ba carré miné il avait beaucoup de carré miné na kati ya Ituri o abanda ko exploiter pe ko s'enrichir frauduleusement sans même payer un iota au peuple congolais. Il y a encore makambeta ba bloc pétrolier Oyo, Kabila, Nabatnaye, Brada. Mais grâce à Excellence Dudé Boudimbo, le génie ministre de Carabir, la vision de Mokonamo Kazaki, a récupéré le lancé un appel d'offres et après plus de 5 blocs pétroliers qui revenaient chez nous aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à l'effort à Fatih Beter, au Katakop à Kimouyi Biwana, tous ont un accord de Ventura. Accord de Ventura, ils ont mis la biseau, minerai, ba bloc pétrolier et des blocs miniers. Kabila, aïba, kapesara, dans Gettler, à Simbela, et pour on en est à on a récupéré ça d'une valeur active de plus de 2 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, tous les nids de poules, ba kaira na jekame, pour nous détourner, ba minerai na biseau, Fatih Beter, à Kangani, soana. Pour nous, pour bango mi yibi, wana, c'est un coup de grâce. Ba coup fort, ba coup fatal au Fatih Beter bête bango. Alors ba c'est déterminé. À part encore de ba mi Libanda sur le plan intérieur. Les gens aujourd'hui qui veulent nous faire des leçons. La détermination ya mokondiambo ka Fatih Beter d'une part de mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de ramener la paix. Et les rendements que ces efforts produisent, n'est-ce que Tanguy Lakibino, et d'autre part, sur le plan intérieur, la détermination du chef de l'État de lutter, voire même de combattre, de bannir la corruption de notre pays pour faire en sorte que nous puissions mobiliser plus de moyens en termes de budget pour mieux soutenir les projets de développement et forcément le cannabis. Et ça, c'est que le cannabis a été créé, a frustré. Batoua Kento, batoua N, na Libanda, na ba frontière na biso comme na kati ya mboka. Et ces gens-là, comme ils tiennent mordicus à leur cop sur le dos du peuple congolais, sur le malheur du congolais du pays, ba lobi qu'il fallait qu'éliminer Félix Tshisekedi de Tshilombo. Et qu'éliminer physiquement comme politiquement. Tout au long de ces mandats, tous ces gens-là se sont réunis en conglomérat pour n'a koluka kobo ma politiquement mo kondiamboka mais ba échoué voire même na ba élection ba kei kokotisa
les candidats na katia cop na katia ba course électorale autobenga ba candidat de ba somme opposition pour ça la solde na bango avec les candidats étrangers pour l'étranger par les étrangers pour nanine comme est la république démocratique du Congo guerre comme comment na souka bango ba yibi pour comme ba guerre comme na souka bazo kima ici par ailleurs na mboka na biso la corruption devient de plus en plus difficile. Les lois étaient déjà mieux la bio parce que le monde a passé. Et moi, comme on a chaque fois, on a basé là-haut, on a mis un peu. Pourtant, chaque fin de mois, tu as ton salaire. Tu as vu un monde qui mouille. Alors, tous ces efforts-là commencent à aboutir. Ces gens maintenant veulent prendre la tête du pays pour la relocalisation. On a un système de mafia. Mais on va comprendre que le peuple congolais a sali bloc derrière Fatshi Bété, parce que derrière Fatshi Bété, le peuple congolais a se retrouvé. C'est-à-dire, politiquement, ils ont échoué à anéantir l'intérêt du peuple congolais à travers la suppression politique de Fatshi Bété, de l'homme providentiel. Il y a un peu ce qu'on a plan sur le plan physique. Il faut finir avec Fatshi Bété physiquement. Mais, dans ce basali Kolobabongo, dans ce basali Kosala, Fatshi Bété a un aigle, à mon équipe Banda Kala, qui a changé la position. Fatshi Bété, c'est un homme qui sait anticiper les choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui, lui, il les joue des années, des jours, des années, des mois bien avant. Il y a toujours trop d'avance, à garder avant sur ses adversaires, sur ses ennemis. Il y a un moment où il y a politique, il y a une option d'en finir physiquement avec le chef de l'État. Sa vie est menacée. Il y a un moment où il y a une salle. Parti des Aloba qui ont depuis dans le Mumbashi, avant de annoncer que to yebi que quand on va échouer politiquement, quand on va échouer la guerre, politiquement. Aussi, ce que Corneille Nanga a dit ou ce qu'ils ont annoncé, Ezali Bongo réponse Yamakambu au show de Aloba qui, une fois, dans la Nakaya Natop, comme on a besoin de Aloba qui, ce qui élection et pessi bango victoire t il faudrait un homme fort qui puisse s'assumer na ba moyen sengeli, c'est-à-dire un homme qui va faire la guerre, qui va faire un coup d'état dans notre République démocratique du Congo. Comme ils n'ont pas pu l'avoir à l'intérieur, ils vont le chercher de l'extérieur. Voilà pourquoi babengiwana alliance politico militaires, ceux qui politico-militaires avec les étrangers pour attaquer notre pays. Alors, leur alibi, ce serait quoi? Ezali Bongo, contestation de l'élection. Avant d'en arriver, tu comprends le monde de Makambi Salimi dans Kenya, Ezali mutation et création de Afdel Bis. Nos prédateurs, Badongolomisu, ba comprendre que à travers Rwanda d'Abakoui, Bahina Kenya, va créer un nouvel ordre, y a mafia Kenya avec Ruto comme le nouveau gérant et comme à l'AFDEL, ils se sont organisés sans nous, ils avaient les pouvoirs militaires, mais ils avaient besoin d'un Congolais. Ouais, retiens le point à justifier qu'ils allaient une affaire Congolais, une affaire de politique interne. Dans l'époque, Bazoka Mouzé, qui Mouzé plus tard a regretté. En disant que l'AFDEL était un conglomérat des aventuriers. Et il a dit après, cette phrase qui est devenue mythique pour nous, ne jamais trahir le Congo. Ce qui se passe aujourd'hui, Nanga et les visages congolais, pour nous justifier, pour nous faire une affaire entre les Congolais. Il y a un moment où président Fatshi Alobi, ceux qui va mettre la balle, moko, dans le Mbokanabiso, atteint la province, atteint le village, c'est au Rwanda que nous allons répondre. Dans aucun moi. Je demande, même ici au service de sécurité, les cousins, les petits frères de Nanga, Christian Nanga, il est jusqu'à ce jour le gouverneur, il y a Otoué, il est au Nanga, il a placé à Nomisawana pour nous garantir l'intérêt de Nanga Kimouyibi. Comment ce jour, son grand frère déclare la guerre à la République démocratique du Congo, Christian Nanga continue toujours de diriger la province. Ne fut que par patriotisme, par respect du peuple congolais, ton grand frère menace la République démocratique. Toi, tu restes encore en train de nous gérer. Tu dois démissionner, messieurs. Nous demandons service
à nos services d'intelligence et de défense de se saisir de M. Christian Nanga parce que, d'une certaine manière, il est lié à ce que son grand frère fait. Au moment où il va minérer, il va servir, il va financer leur soi-disant mouvement politico-religieux qui est aussi un pétard mouillé, qui ne produira aucun effet, même un effet mauvais, ça ne produira pas. Il y a un moment où il va lancer l'alliance politico-religieuse. Bahos la sikonini annonce électorale. Il y a annonce de victoire et mon condamnement qu'a Fatih mais parce que les indicateurs montrent que Fatih va gagner la présidence. Na yango balingi jour ba ko pré jour ba ko conté être Augusta Maponomi mercredi. Bango déjà ils vont publier un faux résultat que bango ni ba gagner. Pour après jour ce n'est pas publier le résultat bango ya vrai. Ba lo ba ke ba yi bango victoire et ba ko créer contestation dans Nzela par des voix criminel. Pendant qu'on a encore ça trouvé dans la carte Mboka. Même aujourd'hui, les massacres que certains Louba subissent au Katanga, ils allaient fruit même il y a projet dans Bangwana, il y a le Luka au Tchamboka na moto. Mais donc pousser ma peuple va s'affronter. Pour le baké, mon condamné Kazali Mouluba, il y a un Louba va ni ko bunisa ba Katangi na Mboka na Bango. Pourtant, le président a dit aujourd'hui, nous devons conjuguer le Congo 1. Congo y est tout bon son. Congo n'a pas son nion son point. Na yango, na mukus, torozong, vraiment, c'est un thème très important pour de développer. Mais torozong, pour l'instant, boye, bah, loko boye. Jusqu'à ces jours, dès à présent, peuple congolais, zala vigilant. Fongola, misunayo. Tout ce que tu vois des suspects, il faut les signaler au service de sécurité, même à la police. Et toi, ici, tu vois, ah, moi, c'est un peu de oya ou meka. Non, non, c'est vous avez moto. Il y a l'état de la population. Pour pouvoir, tous les gens qui ont été en train de se faire, tous les gens qui ont été en train de se faire, pouvoir. Alors, oya y a un peu de temps, il y a un niveau de l'état, un niveau de la population. Corneille Inanga, tu es mis en avertissement. Christian Nanga démissionné na poste de non-gouverneur parce que ton grand frère a dit faire la guerre à la République démocratique du Congo menace la souveraineté de notre République. Voilà ce qu'on peut, vous pouvez comprendre par là. Nous devons réagir ici par la vigilance et par notre union autour du chef de l'État en tant que père de la famille. Tosengi na FRDC, vous êtes déjà prêts. Vous pouvez vous soumettre sur ma casse. Votre loyauté envers les pays, envers les commandants suprêmes à la sans faille et au peuple congolais de rester éveillé. Le moment opportun, nous allons mettre l'ennemi hors de tête de nuire. Nous allons faire la guerre au Rwanda s'il ose menacer notre sécurité intérieure et nationale. C'est ce que nous pouvons vous dire sur ces sujets. Et ces gens-là, ils ne sont pas seuls. Nous allons y revenir. Mais ce sont des pétards mouillés et les opposants politiques civils et les opposants militaires. Et leurs commanditaires, ce sont des pétards mouillés face à Fatih Beton, parce que Fatih Beton est entouré de l'aura du peuple congolais, aux alliés très forts, plus forts que toute autre menace qui peut exister. Alors, enfin, nous allons parler de consignes de vote. Le mercredi, le 20 décembre, élection aux alliés de 7h jusqu'à 17h. De 7h à 17h ou 18h, selon Teknenge, à nom de Salemaki. Nayango, peuple congolais est déjà déterminé. Tous les indicateurs sont clairs. Les indicateurs nationaux qu'internationaux sont clairs que les deuxième mandat du chef de l'État, Fatih Beton, candidat numéro 20, est sans équivoque à l'automne. Mais Nayango, pour nous avoir débit, nous avons consolidé acquis, nous avons expliqué par rapport à 6 grandes lignes d'engagement. Il faut qu'il soit accompagné parce que un seul doigt n'amasse pas les cailloux. Il faut qu'il soit accompagné des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs et même des conseillers communaux. Nayango, okopé sa mokondia mboka député ya Zobate, okopé sa mokondia mboka député ya même été. Député ya même zanani. Ezali Moutouyo, Azali ko utiliser politique ou bien fonction wana ou bien mandat wana pour na kotoka, pour na yemoko,
pour na kosé servir sans servir les autres, pour na kosé servir l'intérêt à Banguna, parce que beaucoup des députés que vous voyez ici dans ma candidature, même à l'Union Sacrée, ce sont des députés Baouti, la Kabylie, ce sont des députés Baouti, n'a pas Moïse Katumbi, l'Italiano, Gozambiano, je sais pas quoi, en tout cas pas congolais, Baouti n'a décidé de Martin Fayoulou parce que lui-même il n'a pas donné de candidat. Il m'a passé les campagnes T. Mais ces députés comme ils veulent, bah toka, bah il y a la 4e Union Sacrée pour ne pas créer un conflit de caprices politiques lors de la formation majorité parlement, majorité au parlement pour un chef de l'État. Qui est ban député, tout bien ban même tous ces gens-là. Comment reconnaître un député même? Yali Bosso, Mokondi Amboka, Azaïna, Katia Efiji na été. C'est-à-dire, au comment on a banderole na ye, affiche na ye à campagne, Mokondi Amboka Azate. Parce que c'est lui qui est le premier à être élu. Le plus grand élu, c'est lui. Mais comment tu vas partir dans le cadre de l'Union Sacrée comme candidat, mais dans Mokondi Amboka, Mokondi Amboka Azate? Même Yewana. Yami Balé même Azana ba discours de découragement, discours plaintif, bile la plernichard. Mon campagne est athée, on n'est pas soutenu, nous menaçons l'Union Sacrée, nous menaçons le chef de l'État. Parce que comment y a un responsable qui tu veux être député pour porter la voix des peuples congolais? Comment au cause de la Wana? Sans pourtant qu'on ait moyen de commencer le combat avant que parti soit accompagné. Il y a un les candidats étrangers à Zoloba. Bana Mazembe Balé là, Banani. Donc, pendant Zoloba, ce qui est là, c'est que Azali Yuma. Azali Mouyibi. Alinga a facilité, pas Yiba a facilité. Parce que Mouto a déjà déterminé son appel de Congolais avant à s'enrôler, à postuler plutôt, face à la moyenne à terre mouké. Au moins, Mouto, Aza, locataire, même si locataire à studio, alors qu'il y a une église, la permanence église, il y a un bon café de panne de Konaïe, à postuler. Oh, honorable, ces gens-là, ne les votez pas. Toboïté, la grâce de Dieu existe et peut élever quelqu'un de néant vers les hauts. Mais à un certain niveau, il ne faut pas blaguer avec la République. Il ne faut pas voir des députés comme Diambel, le roi Daniel Saf, un voyou qui a fait la honte du Parlement. Il va retirer un pays sur les validés. Il ne faut pas voir des députés comme des Mike Moukébaï. Regardez bien les photos quand vous allez aller voter le mercredi. Tous ces gens qui ont été pour la Kabylie, ou que nous avons la Kabylie, pour voter, pour monter. La population est très intelligente pour nous comprendre, mon ami Sabino. Tal, ce que nous avons dans la Kabylie, pour voter, était. Il y a trop le temps de nettoyer la classe politique. Ne le votons pas parce qu'ils n'ont pas été les chefs de l'État. Dans le cas de groupe Wana, il y a des députés, il y a des candidats plutôt, il y a aussi les candidats qui aiment le chef de l'État. Il y a les candidats des nouvelles élans. Ou bien, candidat, il y a mon PPSK, mon PPS Consolidation, mon PPS Peuple d'abord dans l'état de droit. Ce sont ceux-là que nous allons voter. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle des sièges réservés. Parce que Yesoka Zate, c'est que Pachi Beton Zapasi, pour gérer l'Assemblée. Nayango, nous allons vous dire, parce que nous devons sauver la République démocratique du Congo, ils allaient publicité, ils allaient plutôt Bolivar Mboka. Parce que on a marché, on a vu, on a observé les comportements. On va vous dire les sièges réservés d'être dans Mouamba. Dans Mouamba, tu as réservé siège, puis tu as réservé siège Nabiso, na député, na candidat député, Maître Freddy Basomba, national Azali na numéro 175, provincial limité 51. Mon roi n'est Jeko Beya. Haute autorité de référence des jeunes leaders des chefs de l'État Fatih Benton. À cause d'un atteint, à un siège réservé dans Mouamba. Il y a Zali Bongo numéro 490. Zali Nandeko, Merdi Kazadi. Il y a Zali conseiller municipal dans la commune alimentaire. À cause d'un atteint, il faut bien, maintenant, un siège réservé, il faut que vous votiez. Il faut que vous votiez Ndeko Nabiso, Ben Bryant.
un monsieur très intelligent, un jeune très engagé pour la société, il y a qu'aux engagés dans l'hémicycle comme député provincial, dans Kinshasa, numéro na Ezali Bongo, 245 na Lemba. Nous avons à Lukunga, un siège réservé, neti honorable Samuel Tanda, Nzambe Lukunga, l'homme avec la main sur le cœur, la puissance, Mutoyo, qui en un claquement de doigts peut réunir toute la ville de Kinshasa. Place Moko. Samuel Tanda, siège réservé, il faut voter en 273. Tout à l'heure, les meneurs en toge, gardien de la cathédrale d'enseignement, maître Tony Mwaba, il joue et il gagne. Il peut nous voter en 982, siège réservé. Tout voter, fierté féminine, du plus haut sommet de la République, de grandes fonctions, Maman Antoinette Samba Kalamba, Zali Bongo ministre Kamine, Maman la combattante, à Bounda Makasse pour la Mboka Oyo. Vous pouvez CRP siège dans le Congo, siège réservé, il y a un numéro 983. Vous pouvez ça, siège réservé, un jeune leader, un homme très puissant, très calme, très sympathique, très intelligent, Lionel Nsele, un combattant. Vous pouvez ça, il est sous siège réservé, pas aligné chef de l'État, il veut travailler, il a des structures qui accompagnent les jeunes. Topé Saé, siège réservé dans le Kunga, Azan numéro 124. Topé Si, siège réservé, Nafuna, et pas Maître Cédric Kazadi, Azan numéro 51, comme député provincial à Kassavubu. Sorokien à Kassavubu Lélo, tu verras, tu ne pourras pas passer une personne sans que tu ne mettes Cédric Kazadi. Ces jeunes-là, prometteurs, ces jeunes très engagés pour la cause de la République, pour la cause de Kassava, un combattant aussi très fort pour voter mettre Cédric Kazadi comme député provincial à Kassavubu, numéro 51. Tu peux dire siège réservé à Doris Kayenganyota, maman combattante, peut souci à Makassi, une femme très engagée pour le bien-être du peuple congolais aussi. Tu peux ça siège réservé dans 785 dans Lukunga comme Nafuna plutôt comme député national. Dans autre province, tu peux si siège réservé na patriarche Mboso Kudiampwanga. Nous c'est la théâtre traité siège réservé na yé numéro 58 dans territoire de Kenge. Tu peux dire siège réservé na les génies blancs Didier Boudi Mouno Palpa. Mouto Asali Moussala Makassi, le meilleur warrior du gouvernement Salama Lukonde 1 et 2. Topé C, siège réservé numéro 77. Nakasangolo comme député provincial. 132 comme député national. Siège réservé Nabiso, na Nicolas Kazadi, la gentille du pays. Oazali Bongo numéro 426 na national na Miabi. Numéro 120 na provincial Pekaka na Miabi. Enfin, siège réservé na monsieur Jean-Jeff Mwanza. 44 na Kazumba na niveau ya Kananga. Chers compatriotes, les gens à la question spéciale, voilà pourquoi avec beaucoup d'enthousiasme, nous avons largement dépassé notre temps, puisque c'était un moment, il y a un moment qui couronne beaucoup d'efforts qu'on a fait. On a passé des moments, un mois Mokobo est très très mouvementé, un mois on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, un mois on n'a pas totalement dormi pour Naruluka, observer Bino, Kulgautali, Sabino, comment, pourquoi est-ce que nous devons voter Mokondia Moka, pourquoi éviter les profils, où ils allaient connaître l'intérêt Moka, parce que ces profils, il y a Mounoko, les messieurs Moïse Katumbi, tous ces consorts-là, les pétards mouillés, Kola Sabino, comment est-ce que Bokobanga Bangote, les opposants militaires et les opposants civils sont des pétards mouillés face à Fatih Bédé, parce qu'ils portent à lui la force du peuple congolais. Demain, mercredi le 20, votons tous Fatih Béton, numéro 20, candidat numéro 20. Et à d'autres niveaux, votons nos députés de l'Union Sacrée, au Bazar MMT, au Bazar Libon, au Bazar Réservé, au Tangle Binoa, pour voter Bango. C'est fait pour nous, en tout cas, un réel plaisir et honneur d'échanger encore avec vous aujourd'hui autour de notre programme Éclairage. Nous restons à votre disposition pour des questions, des éclaircissements, pour des autres commentaires. Et nous sommes très heureux de vous. Nous avons hâte plutôt de vous retrouver à un prochain numéro. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le chef de l'État et son peuple. À nous revoir.